Ça pas grand pile temps de cela depuis président Saint-Domingue monsieur Luis Abinadel font gros coquin chien tonton bout déclaration qui vient avec Haïti côté que le t'a laissé comprendre dans prochain temps qui pral venir là yo y a construit un mur sur toute frontière qui pour séparer Haïti ak Saint-Domingue qui donc Haïti a bout de pal et Saint-Domingue a tant bout de pal qui impact gros coquin chien décision ça si toutefois que on mettait en pratique capable gagner sous Haïti ou soit sous Haïtien qui vit ici ou soit sous Haïtien qui veut traverser frontière pour entrer Saint-Domingue et qui impact ça capable gagner sous République Dominicaine bon côté par yo. Ou pareil dans vidéo sur quel jeune bon genre analyse bon genre détail bon genre explication sous gros déclaration ça que président Saint-Domingue là monsieur Luis Abinadel fait ça gagne quelques semaines de cela en aller. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue une autre fois encore sur plateforme pour la Chanel pour la qui c'est Ricky Haïti. Pas oublier Ricky Haïti, nous c'est plus gros famille qui existe en République Dominicaine et nous disons merci parce qu'on déjà fait partie des grandes familles ça. Et si toutefois qu'on peut faire partie des grandes familles ça, c'est simple ou pas besoin qu'un argent pour entrer dans grandes familles ça. Seulement, leur décider cliquer sur ce bouton rouge ça qui marque abonner, cliquer sur ce cloche côté là pour capable recevoir toutes notifications nous chaque année publié en vidéo. En aller. Ah bien, juste avant que nous entrions dans ce sujet pour aujourd'hui, nous voulons couper nos biens pour nous demander excuses pour tant qu'on fait qu'on pas attendait nous. Nous là, nous continuons à travailler pour vous. Nous pas jamais suspendre répondre aux messages sur WhatsApp, sur Instagram, sur Facebook, parce que c'est mission ça qu'on nous pour nous travailler pour vous, pour nous chercher information, pour nous porter pour vous. Nous retournons sur YouTube là et nous vous garantir, nous vous parole nous que nous avons été ensemble à vous, nous avons été connectés avec vous et informés vous à chercher tout côté, tout grand information qui a passé ici là qui concerne nous étant haïtien qui vivent ici là au soir qui concerne Haïti. Mais nous avons pris une chaise bien installée, nous avons un bon champ de détail sur la déclaration ça que le président Luis Abinadel, le président Saint-Domingue fait qui vient à vous avec Haïti. En allez. Ça fait exactement 5 jours depuis que le président Luis Abinadel a participé dans plusieurs activités dans la ville de Santiago. Il a profité de l'occasion pour répondre à questions de plusieurs journalistes. Eh bien, parmi les journalistes qui étaient là, il y a un qui a profité de l'occasion pour poser au président Luis Abinadel des questions sur le processus de construction mur qui peut séparer Haïti et le pays par roi qui est la République Dominicaine. Eh bien, le président Luis Abinadel a répondu pour faire connaître que République Dominicaine met posé yo, Dominicain met posé yo parce que l'argent pour construire Musa yo déjà là. Yo seulement rete pour que yo fait bonne planification pour prendre bonne décision en bon moment pour que yo passe à l'action pour construire mur qui pour séparer Haïti avec Saint-Domingue. Et donc président Luis Abinadel t'a laissé comprendre que processus ou soit projet ou soit plan pour construire mur pour séparer Haïti avec Saint-Domingue là, yo pas fourer dans tiroir, yo pas fourer dans poche et pas même gens. Avec un pile autorité haïtienne, le fin de son bagaille, donc pas attendre côté bagaille ça passe. Le président Luis Abinadel dit qu'il y a travail pour qu'on puisse passer à l'action dans le prochain temps qu'il y a. Grand pile qui a fait avec sujet ça, bon côté haïtien, bon côté dominicain, tout, il y a posé question qui est-ce qui pourrait rendre construction MUSA sur toute frontière possible? Est-ce que haïtien a bien courage pour participer dans la construction MUSA sur toute frontière? Là, nous connaissons très bien que 60 à 70% ça qui vient avec infrastructure, construction, que des édifices, cailles, appartements, routes et latriers reposés sous droit haïtien. Donc, question à connaître, c'est est-ce que haïtien a bien courage pour construire propre mur à sous frontière qui pour séparer avec Saint-Domingue? Et la question que je me c'est pour qui sa construction mur ça, pour qui sa déclaration ça, bah, haïtien problème comme ça? Pour ça que il t'a supposé bah, haïtien problème? Est-ce que tu as supposé que tu as problème? On fait logique ensemble avant. Nous connaissons très bien tout pays qui partage les frontières, il y a toujours une petite mésentente, il y a toujours une petite yin-yang, il y a toujours une petite polémique. C'est le cas pour les États-Unis avec le Mexique. Et c'est le cas pour nous-mêmes Haïti avec la République Dominicaine. Toujours une petite mésentente entre Haïtiens et Dominicains. Même si ce n'est pas sur le plan général. Et malheureusement, pays qui est toujours plus bas, c'est lui-même qui est toujours pas sans papier. C'est le cas pour Mexique. Toujours des Mexicains qui veulent traverser les frontières pour entrer aux États-Unis. Et c'est le cas pour côté de nous. Toujours des Haïtiens qui besoin traverser les frontières pour entrer à Saint-Domingue.
Luis Abinadel, qui est président ici, là, juste avant même qu'il était président, il était toujours fait des déclarations pour laisser comprendre, surtout à l'échelle internationale, que Haïti, son charge lié pour eux, même en République dominicaine, ils n'ont pas capable avec Haïti encore, et ils prêt pour faire tout ça qui dépend de eux pour qu'ils soulagent de charge ça. Qui donc chaque sans sous tête, ils sont prêts pour faire tout ça qui dépend de eux pour retirer charge ça, mais tenter. Ça fait que le président Luis Abinadel n'a pas jamais hésité, pas jamais bouqué, fait demande avec l'international pour porter aide à Haïti parce qu'ils même pas capables encore. Bien, décision pour construire Musa sur toute frontière, c'est pour une décision comme ça que lui. Son décision qui est bien calculée, son décision qui prend temps pour penser, pour réfléchir et pour vivre ensemble avec lui. Dans l'optique, dans l'objectif, pour jouer un souffle avec massif immigrants illégaux qui traversent les frontières pour entrer en République dominicaine, immigrants haïtiens bien sûr. Son rentre, le un pays qui voisin nous décide pour un gros coquin de décision comme ça, yo prêt pour dépenser des millions de dollars américains pour construire un mur pour séparer avec nous. C'est comme si on complète, on gros malin là, on abse là et on décide de couper mes pour ouvrir le jeter parce que le pas bon, il va affecter tout le score. C'est comme ça, oui, indirectement, que le président Luis Abinadel, avec tout le gouvernement, l'a traité Haïti. Parce qu'il n'a pas décidé de faire pays. Et puisque nous représentons malin, nous plaît, nous charge pour eux, ils décide de séparer eux, consensement avec nous. Son honte, son triste réalité que j'ai. Côté ma pas dans ma voie là, mais mes drapeaux pays, je suis mais je suis conscient que ça, son honte. Qui compte que décision ça t'a capable d'impacter sur nous? Qui compte que décision ça t'a capable d'affecter nous si nous t'es décidé de faire pays? Si autorité haïtienne t'es décidé de faire pays? Alors nous pensons que le président Luis Abinadel dit qu'on va le construire un mur pour séparer Saint-Domingue et Haïti. Décision ça, il t'a capable d'impacter nous. Bah nos préoccupations. Si autorité haïtienne t'es décidé de faire pays? Si on te décide de quoi reproduction locale? Bah t'es paysan yo matériel que nécessité engrais. Ustensile que vous nécessitez pour que vous capable de faire une production locale, ben, au crédit que vous méritez, nous pensons que la décision ça est capable d'impacter nous sur le plan négatif. La décision ça n'est pas capable d'impacter nous ni préoccuper nous. C'est la République dominicaine pas une solution pour nous. Alors nous pensons que si Haïti a une sécurité, si l'autorité haïtienne a décidé d'agir bien, si l'autorité haïtienne a décidé de prendre soin des policiers nous bien, décision ça t'a impacté non si t'es policier qui a bail service en Haïti ou policier qui sérieux yo yo t'a gain assurance médicale pour même avec toute famille yo yo t'a gain bon d'achat bon alimentaire pour que capable prendre soin famille yo yo t'a touché bien pour que capable voir petit yo l'école prendre vacances leur nécessité décision ça t'a impacté non parce que t'a gain sécurité dans pays nous. Tout autant que autorité haïtienne, tout autant que nous-mêmes étant haïtiens pas décidé de faire pays, c'est tout autant que décision ça va impacter nous, y a prendre nous mal, y a ba nous cœur sauter, n'a peur, n'a préoccupé. Comment pour décision ça pas impacter nous si ti Jocelyne, ti Marie, ti Zéphine, ti Zépina, tout autant que chaque leur, excusez-moi l'expression, yo grosse, yo enceinte, faut traverser frontière de façon illégale pour venir accoucher, yon ti Pierre, yon ti Marie, yon ti Zépina, ici dans la République dominicaine, décision ça a impacté nous négativement parce que nous pas un hôpital en Haïti. Si nous gen hôpital, yo pas gen appareil nécessaire. Donc décision ça a toujours impacté nous. Tout autant que Haïti pas bon stabilité côté que investisseur voit que Haïti est stable, gain sécurité, gain courant, gain tout bagage qui nécessaire pour investisseur, sorte côté sorti pour venir investir en Haïti pour créer gros entreprise, gros usine, gros atelier côté que ti Jacques, ti Pierre, ti Jocelyne pas gain nécessité pour traverser frontière, pour venir travailler dans construction, pour venir travailler dans vendre l'eau, pour venir travailler dans faire leur travail que tu capable faire dans pays yo. Pas aucun problème avec monde qui a fait genre de travail ça au contraire en pile respect en pile amour c'est tout autant que décision ça a impacté nous son honte que lié et qui ça que nous décide faire ensemble avec pays nous en pile million de dollars américains pour dépenser dans construire pour séparer Haïti avec Saint-Domingue après construction mur ça
République Dominicaine décide de motiver, de focus pour qu'il soit capable de mettre sécurité sur toute frontière yo, pour qu'il soit capable de protéger le pays contre Haïti, contre Haïtien qui vient entrer. Pour qu'il y ait une caméra, une armée qui est présente sur toute frontière yo, pour qu'il protège le pays par eux, si vous êtes par eux, contre nous. Est-ce que ça c'est pour honte? Tout autant que opposition pas voulait ouais bien pour Haïti, c'est intérêt personnel que a cherché, c'est tout autant que impact ça yo y a affecté nous. Tout autant que nous pas décidé faire pays, tout autant que nous pas ouais peuple avant, c'est tout autant que décision ça yo y a impacté nous, y a affecté nous. Qui dans commentaire qui sont pensé de décision ça qui prend côté que pour le consommer qui pour séparer Haïti à Saint-Domingue. Yo vle rete nan ti bout pa yo, yo vle empêche fluo, yo vle empêche masiv immigrant illégal kap travesse fontye yo, rentre nan peyi pa yo. Ki nan commentaire ki so pense de ça? Est-ce son bonne décision? Est-ce pour mérite le temps? Est-ce qu'on pense que décision ça pral fait que autorité ici yo mette grand monde sou yo, mette pantalon nan tay yo pour même yo fè peyi? Di so pense nan commentaire, c'est toujours un plaisir pour nous li. Pour nous répondre et pour nous brasser les dents ensemble et partager opinion par nous ensemble dans les commentaires. C'était Ricky Haïti, l'homme qu'il faut, la place qu'il faut, Bibir Paracelville. Rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo. À la prochaine, que bon Dieu bénisse nous. Bon mois d'avril, joyeuse Pâques, à la prochaine. Bye bye.